pu passer pour une visite inspection, si je peux dire. Mais je peux vous dire que j'ai visité. J'encourage le travail qui est abattu ici. Mais par rapport à la conclusion, c'est à la primeur du Premier ministre que je vais faire les, à qui je vais faire les rapports. Donc je ne saurais pas déjà me déclarer ici. Parce que moi j'ai vu, j'ai fait les constats, j'ai posé mes questions et je vais faire mon petit rapport. C'est un partenariat public-privé. Ce que les gouvernements apportent, c'est l'expertise. Ils sont en train, les gouvernements, à travers les ministères de santé publique, hygiène et prévention, nous avons mis à leur disposition les personnels qualifiés pour qu'ils puissent les accompagner, pour qu'ils puissent les aider dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans le cadre des partenariats publics. J'ai vu qu'en dehors de tests COVID, les PCR qu'ils sont en train de faire, il y a d'autres examens et là nous les félicitons, nous les encourageons parce qu'ils aident au diagnostic pour autant de maladies. Et je vous dis que nous ne pouvons qu'encourager. Comme c'est un fils du pays, nous encourageons. Parce que c'est dans la politique actuelle, c'est aussi faire la promotion des fils du pays pour qu'ils puissent aussi émerger. Merci. Je pense que la vision elle est simple, elle est celle du président de la République, justement de l'accompagner, pas seulement en rapport avec la détection de Covid-19, mais plutôt le président a parlé de la santé universelle en RDC. C'est ainsi que nous, en tant que fondation, moi président de la fondation, c'est ainsi que vous avez vu dans notre centre de diagnostic, il n'y a pas seulement la détection en rapport avec le Covid, nous avons la détection par rapport à tout ce qui est, s'il vous plaît, tout ce qui est clinique. C'est ainsi que chez nous, vous avez vu qu'il y a un labo d'hématologie, un labo d'immunologie, un labo de biochimie, bactériologie, ainsi que de la biochimie moléculaire. Tout ça pour que nous accompagnions justement le chef de l'État par rapport à sa vision. Non, il n'est pas seulement à Kinshasa. En fait, ce projet, il a commencé il y a déjà plus de 3 ans. Nous avons commencé dans le Katanga, à Kinshasa. On est en Mbujima et bientôt à l'Est, et ainsi que dans le Tanganyika, parce que nos équipes d'avance sont déjà parties pour faire l'étude du milieu. Et bientôt, nous allons installer tout ce matériel partout en République démocratique du Congo. Ah, la fondation existe il y a plus de 10 ans. En partenariat public-privé, le contrat a été signé le 30 novembre 2020. Et je ne sais pas si vous l'avez suivi, quand le ministre national de la Santé m'a reçu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en RDC, en rapport avec la détection de Covid, il y a l'INRB et la Fondation Maison Pongwe qui sont officiellement reconnus. Et je répète encore une fois, le ministre a dit, d'ici la semaine prochaine, ils vont venir installer un logiciel où nous allons commencer à délivrer le pass sanitaire. Parce que le pass sanitaire, c'est-à-dire quand vous venez chez nous, vous avez vos identités, vous avez le QR code ainsi que votre photo. C'est là, c'est tout ça pour permettre à nos voyageurs, quand ils vont partout au monde, pour qu'ils n'aient pas de problème. Non, on ne fait pas encore la vaccination, mais vous avez vu, nous avons le matériel où nous savons garder les différents vaccins. Vous avez vu, nous avons même des réfrigérateurs qui vont jusqu'à moins 86 degrés. C'est-à-dire que par rapport à la vision du chef de l'État, par rapport à la vision du gouvernement, nous sommes prêts à les accompagner. Et il y a une précision, c'est
c'est une œuvre congolaise. L'expertise congolaise, c'est-à-dire les médecins que vous avez vus là-bas, les informaticiens, les infirmiers, tout est congolais. Nous devons faire preuve à la face du monde qu'en République démocratique du Congo, qu'il y a du potentiel. Et je ne sais pas si vous avez vu notre labo, tout est fait en détail. Même les bâtiments sont audités. Et pour votre information, nous serons accrédités ISO 9001, la 15189 en rapport avec le labo et la 14001 en rapport avec l'environnement. C'est ainsi que vous avez vu, tout est taillé sur mesure. Non, je suis pas médecin, mais je suis visionnaire. Je suis visionnaire, je ne suis pas médecin. Je suis visionnaire, mais accompagné par des médecins avec des très bons conseils. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas moi seul qui ai fait en tant que président, mais c'est toute l'équipe. Parce que dans l'accréditation, ça commence par le gardien. Je ne sais pas quand vous êtes venu chez nous. Le gardien, il est formé. Le préleveur est formé. L'informaticien est formé. Tout, nous faisons un tout. C'est ce qui fait. Et ça, nous, Congolais, si nous pouvons faire ça, je pense que nous ferons beaucoup plus d'exploits que de laisser la place aux étrangers qui ne nous laissent pas la place dans leur pays. Merci. Merci.